bonjour à tous. Alors si vous pensiez que la sportive idéale pour le circuit c'était la nouvelle Porsche 911 GT3 RS, ou si vous pensiez qu'il s'agit plutôt de la Lamborghini Huracan Performante, eh bien désolé, puisque Ferrari lance la 488 Pista qui est encore plus puissante et encore plus légère que la 488 GTB. Le V8 turbo passe de 670 à 720 chevaux, le poids est en baisse de 90 kg grâce à différents éléments en carbone comme le capot, le bouclier et même les jantes en alliage en option. Les performances deviennent ahurissantes avec un 0 à 100 expédié en 2 secondes 85. À ce niveau de performance, les centièmes ont leur importance, alors que la vitesse de pointe atteint désormais 340 km/h. Alors pour assurer la stabilité à cette vitesse, on pourrait s'attendre à avoir un énorme aileron arrière comme sur la Porsche ou la Lamborghini, mais non. La 488 préfère des appendices un petit peu plus subtils, comme cette petite queue de canard qui est complétée par cet énorme extracteur d'air à l'arrière. Et le reste est à découvrir à l'avant avec ce fameux bouclier S-Duct dont les petits flaps se déforment avec la vitesse, qui est une technologie inspirée directement de la Formule 1. Alors ce lien avec la compétition se retrouve aussi à bord avec ces beaux sièges baquets complétés par ces harnais 4 points. Et on retrouve aussi un habitacle saturé de carbone, il y en a absolument partout, sur la console centrale, sur les contreportes, et il y en a même sous les tapis. Alors vous vous en doutez, ce n'est pas parce que la 488 Pista est allégée en poids qu'elle est allégée en prix, c'est même l'inverse. En France, elle est affichée à 292 000 euros, c'est 70 000 euros de plus que la 488 GTB.